Pouvoir utiliser le logiciel Arduino avec la carte STM32 IoT, il vous faut télécharger d'abord le logiciel Arduino. Donc vous allez dans Software sur le site Arduino et vous téléchargez ici le Windows Installer de la dernière version. Just Download. Vous enregistrez l'installeur, vous le téléchargez. Donc ça va prendre quelques minutes, je l'ai déjà fait et j'ai déjà installé l'application. Une fois que vous avez l'application, je vais ici, on la démarre. Il va falloir ajouter des configurations, des petits fichiers dans Arduino pour pouvoir utiliser le logiciel Arduino pour programmer la carte STM32. Donc, lorsque le logiciel Arduino a démarré, vous allez dans Fichier Préférences. Et dans Fichier Préférences, vous avez les paramètres de l'application. Et ici, vous avez une URL de gestion de cartes supplémentaires. Et c'est ça dont on a besoin. Pour avoir l'adresse à laquelle on va spécifier, on retourne dans un navigateur web et vous écrivez GitHub STM32 Duino. Vous tombez sur ce site, qui est un site de partage, qui vous permet de pouvoir installer le gestionnaire complémentaire de ces cartes-là. Vous allez tout en bas dans le wiki. Donc là, il y a plein d'exemples. Dans le wiki, vous avez toutes les STM32 Arduino Cores disponibles. Donc ici, vous allez dans le wiki et vous allez dans Getting Started. Dans Getting Started, vous allez dans Board Manager et ici, vous avez l'explication en anglais de ce qu'il faut faire. On retrouve cet onglet préférences de l'application Arduino. Et ici, on vous dit que c'est cette adresse-là qu'il faut rajouter. Donc, c'est tous les paquets complémentaires qu'on va rajouter. Donc, ici, vous sélectionnez cette adresse-là, vous faites copier, vous allez dans Arduino, vous faites coller. Alors, coller ici, le problème c'est que voilà, ça fonctionne pas. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'appuyer sur la touche CTRL et V. Et ça va coller toute l'adresse à l'intérieur de cette boîte de dialogue. Vous cliquez sur OK. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Outils, Type de carte et Gestionnaire de carte. Vous allez avoir un téléchargement du catalogue ici de plateformes complémentaires. Vous allez tout en bas et vous tombez sur le STM32 Cores by ST Microélectronique et vous remarquez que dans la dernière version, vous avez le STM32 L475VG Discovery IoT et c'est la carte dont on a besoin. Ici, c'est le driver pour notre carte à nous. Ça, c'est la carte IoT. Donc, on fait installer. Donc, elle date du 22 septembre 2017. On fait installer. Cette installation prend un peu de temps parce que vous avez à télécharger 15 mégas, donc 15 mégabits. Donc, ça fait quand même pas mal. Donc, suivant votre connexion internet, moi, c'est assez rapide. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, il va télécharger en plus des outils. Donc des drivers, etc. pour cette carte-là, pour tout le package des cartes d'ailleurs, pour pouvoir l'adapter au terminal ou bien tous les outils de Arduino. Donc ça prend un petit peu de temps. Je vais faire une pause et dès que c'est terminé, on se retrouve. L'installation est terminée. Donc on regarde ici que le STM32 Cores by STMicroelectronique, marqué Installed, on ferme. On peut brancher sa carte et la sélectionner ici. Donc on voit ici dans les types de cartes. Hop, je descends ici. Et vous avez la Discovery. Donc ici, c'est très important de spécifier quel type de carte, donc Discovery. Ensuite, ici, vous sélectionnez la STM32 L475VG IoT. Dans les sous-cartes. Hein. Donc Board Part Number. Voilà, on sélectionne ça. Voilà, ensuite, vous avez plusieurs configurations et puis vous sélectionnerez le port sur lequel l'ordinateur détecte la carte. Donc ici, vous voyez que moi j'en ai plein hein, des coms parce que c'est un ordinateur que j'utilise beaucoup pour connecter différentes cartes et différentes spécificités. Mais si vous ne l'avez jamais fait, par défaut, généralement, l'ordinateur attribue le premier port com, c'est le 3, le commun étant utilisé pour un port série classique. Donc le premier qui va distribuer, c'est le port COM 3. Voilà. Donc normalement, ce sera celui-là qu'il faudra sélectionner.
lorsque vous allez l'activer.